Bonsoir, il me faudra un grand popcorn. Ça fera 15 euros, monsieur. Salut à vous les amis, alors si vous aussi vous en avez marre de payer tellement cher pour ces bons popcorn au ciné, aujourd'hui je vous montre la recette, alors regardez bien. Pour la recette, il vous faudra 5 cuillères à soupe de sucre semoule, 4 cuillères à soupe de maïs spécial popcorn et 2 cuillères à soupe d'huile. Dans une casserole, vous allez mettre le sucre et l'huile. Et on va directement mettre les popcorn. C'est très important de mélanger jusqu'à que le sucre en fait commence à fondre. Donc j'espère que vous voyez bien, en fait le sucre est en train de fondre. Et là vous allez mélanger pour bien que le sucre enrobe tout le popcorn. Donc quand les premiers popcorn sont en train d'éclater, vous faites très attention parce qu'il y a un risque d'éclaboussure. Vous continuez à bien mélanger et ensuite on va mettre le couvercle. Et après avoir mis le couvercle, ce qui est important c'est de bien mélanger. Voilà le résultat, vous pouvez encore mélanger délicatement et on va mettre ça dans un saladier et passer à la dégustation. Alors c'est parti pour la dégustation, on a des popcorn qui ressemblent absolument à ceux du Kinépolis, le caramel n'est pas trop foncé, donc déjà ça sent super bon, j'ai hâte de goûter, donc c'est parti. Waouh, les popcorn étaient vraiment très bons, bien croustillants et le caramel était... franchement parfait, bien important, il faut qu'il ne soit pas trop coloré. N'hésitez pas à refaire cette recette chez vous devant un bon film, ça passe toujours bien. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour plein d'autres recettes. Allez, ciao ciao!